Ok, donc on est à la suite pour cette petite mission. On n'a pas la voix malheureusement de Diana. Donc on a trouvé la clé de la pièce où cacher le corps, tuer le corps de Von Kaprud, cacher le corps de Von Kaprud. Aucun signe ne doit être tué, ni voir le corps. D'accord. Donc on doit tuer ce monsieur. Ok. La photo de la dame, ok. Donc on doit tuer personne. Trouver la clé de... Ok, bon, ça va. Pas être une partie de plaisir. Bel endroit, surtout si vous êtes riche et malade. Ce docteur Von Kamprad a sûrement un grand bureau à l'étage, dans lequel les patients reçoivent leur traitement. D'accord, c'est une dame qu'on doit tuer, d'accord, j'ai cru que c'était un mec. Mais elle a l'air toute gentille, la madame. Ah non. Ah non, elle est pas très gentille, en fait. Ok, donc, mission pas si facile que ça, mais on va quand même réussir à s'en sortir tranquillement. On va attendre que le garde passe, et on lui tire une petite balle entre les deux yeux. Ou pas, je sais pas encore si je le tue ou si je l'assomme ou quoi que ce soit. De toute façon, faut pas tuer de civil. Et la map est très, très restreinte ici, donc... Monsieur, plaît-il? Voilà. Monsieur, un beau caleçon rouge. Putain, mec, faut... Les mecs, ils savent plus quoi mettre, quoi, maintenant. Ok. Donc, ça, c'est fait. Et on va essayer de s'approcher de notre cible sans se faire repérer. Ok. On va passer par la petite porte, hein. À notre grande habitude. Dans les nouveaux Hitman, on serait passé par les petites serres là, c'est toujours sympa. Est-ce qu'on va passer? Là est la question. Non, on ne passera pas. Ah si. Ok. Donc le storage, il est là. Il me semble pas que ce soit un garde. Mais en tous les cas, je vais pas me laisser avoir. On peut passer donc de chambre en chambre, je suppose, comme dans tout hôpital. Alors, tuer le docteur, trouver la clé de la pièce où cacher le corps, tuer le docteur Von Kaprud, ok. Ok, on prend ses vêtements, on sait jamais. Ok. Donc là, je me ferai pas trop repérer, tout le monde est chauve, donc bon. Zip Master want you. Yeah, I don't want you. Ok. Salut beau gosse, je passe juste dans ta chambre, tranquille, hein. Mec, il passe dans une chambre comme ça, et sans se faire repérer. Je suis un brave type. Corde à piano, vite. Ah, ça va. Hop. Il a fini de pisser. Ok. On est dans la salle de stockage. Ok, on ramasse le poison, ça c'est fait. Ouh. Ah oui, effectivement, il y a pas mal de choses ici.
ça va être encore une chambre là. Donc là, ça va être chaud. Donc on a tout récupéré, ça c'est cool. Ramasser clé de la porte. Nickel. On a récupéré la clé de la porte. Tu n'y as vu personne, mon ami. Alors, qu'est-ce que... Où est-ce que je pourrais aller, du coup? Bon, j'ai pas vraiment le choix. Donc, du coup, bah... Je vais y aller tranquillement en sauvegardant. Bien sûr, à notre humble habitude, on arrive toujours à fail comme une grosse merde. Du coup, là, je vais rester sur mes gardes. Non mais, tu regardes, je ressemble à un patient normal, tu vois. Ouais, je passe limite, quoi. Les petites infirmières, tout ça, tout ça. Donc, faut pas que tu tues de civils. Faut pas que je tue de civil. Est-ce que j'ai le droit de monter? Les patients à l'étage ont besoin de... Ok. Les patients à l'étage ont besoin de je sais pas quoi. Ok, y'a pas de soucis. Donc je suppose que l'ordre du médecin il doit être là. On va essayer de récupérer cet ordre de médecin assez rapidement. Sinon de récupérer tout simplement les vêtements du garde. Ça doit pas bien être difficile. Ok, donc là on va tourner à droite. À droite on trouvera... Oh, un beau costume de médecin. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe, ma gueule. Je suis un beau médecin. Ah non, je suis un patient, en fait. Ou bien... On va retenter. Pourquoi se casser la tête, ça? Ah là, tu vois, je me fais pas trop repérer. Ça, c'est cool. Donc là, je vais passer aussi. Allez, hop. Par ici, Saïd. Vous avez l'air beaucoup mieux aujourd'hui. Merci, mec. Donc ouais, là, tu vois, ce patient, il peut passer. Donc ça, c'est cool. Te pose pas trop de questions, mec. Hiding, hiding zone. Oh, ouais, c'est assez difficile du coup. Ouais. Ça va être plutôt simple, je pense, alors. Faut qu'elle bouge. Si elle bouge pas, je pourrais rien faire, là. Bon. J'espère qu'elle va bouger ses fesses. En fait, après, quand je passerai, faudra que je passe au plein milieu du cercle. Elle m'a pas vu, d'accord. Salut, ton patient va te tuer. Voilà. Petite conne. En fait, je vois pas à quoi il servait le... À quoi il pouvait servir du coup le poison.
Contaminer eau. Ah d'accord, on pouvait contaminer son eau. Bah, je vais le contaminer, tu vois. Hop, eau contaminée. Donc ça, s'il y a quelqu'un qui vient boire l'eau, et bah il se fait tuer. Alors, Merde, je suis mort. Échec. Et voilà, je me suis fait échec comme... Ce n'est qu'un échec. On va récupérer la tenue du patient. Ok, putain, j'ai couru comme un con, j'ai cru que j'allais me faire repérer. Non, ça c'est bon. Ok, c'est parti, allez, c'est parti. On tourne à droite. Hop là, on récupère les vêtements de Ayabe, là, ou je sais pas quoi, là. Voilà. On repart. Habillé en patient. Chez Anne-Laure. Et on tue cette chippie là. Qui paraissait être si belle. Mais en fait qui jette des chocolats et des fleurs qu'on a peut-être, on lui a peut-être offert, tu vois. Moi je trouve ça dégueulasse. Merci chef. Fermez la porte. Ouvrir la porte. Alors mes amis. Par ici Saïb. Vous avez l'air beaucoup mieux aujourd'hui. Toujours, toujours, je fais toujours mieux moi. Salut mon ami. Ok, on va refaire comme on avait fait. Salut à toi Anne-Laure. Que regardes-tu? Un écran bleu, mais ton PC il est en train de bugger, mademoiselle. Ah, oh, tu t'étranges tout seul. Ok. On contamine l'eau, on sait jamais. Son fantôme pourrait y revenir. Donc là, on va la mettre... Ici, le temps que l'autre passe. Lâcher. Ok. Notre autre con va passer dans tous les cas. Oui, faut qu'il se tourne les fesses. Tourne-toi les fesses. Tourne les fesses. On va essayer de se le faire. On attend que l'autre passe. Ah, il est là. Attends, j'allais offrir le feu sur l'autre mec. Hidden place. On n'est plus très loin là, les amis. En tout cas, faut pas qu'il la découvre en son cas. Allez, recasse-toi tranquillement. Ah, il me surveille un peu lui, tu vois. Faut qu'il descende là, faut que l'autre se casse. Dès que l'autre se casse, je peux buter tout le monde. Façon de parler, bien sûr, mais. Ah, mais il va en face en plus. Oh, le mec il est casse-couille.
Que cherche-t-il? Je vois pas. Mais Anne-Laure, elle est partie pisser, mec, c'est tout. Ok. Ouais, les gars, j'ai du sédatif. On va leur dormir. Tu fais du yoga, toi? Ok. Un petit sédatif, vu que tu bugs. Voilà, je te blesse pas, t'es juste malade, et voilà mon ami, voilà. Je l'ai pas tué, si c'est votre crainte les gars, il est pas mort. Juste endormi. Hop, là on traîne la tepu, hein, excusez-moi mais c'est une tepu, hein. Excusez-moi quand tu donnes... Ça me fait penser aux filles, quand tu leur donnes un bouquet de fleurs... Qui ose te dire, te sentir, ah, elle est trop beau, et après elle le jette 2000 plus tard à la poubelle, tu vois. Oui, oui, j'ai vécu ce genre de... Non, je l'ai pas vraiment vécu, mais... Voilà, quoi. On connaît tous cette situation dans les films et tout ça, c'est le truc qu'on a tous peur. Mais en fait, je me suis jamais demandé où est parti le bouquet de fleurs que j'ai offert à une fille, tu vois. Enfin, je me suis jamais posé la question, donc... C'est vrai que quand tu penses à ça, tu te dis peut-être qu'elles ont jeté mon bouquet de fleurs. Bref, petit aparté, nous on descend tranquillement, on sort tranquillement. Bonjour Saïb, comment ça va ce matin? Très bien, très bien. Donc, il soupçonne pas que le mec réponde pas quoi. Il soupçonne que dalle, de toute façon les gardes c'est un peu des merdes. Donc là on va se changer en garde, on va récupérer notre costume. Et on se casse d'ici. En fait, au début, j'ai cru que c'était un garde qui protège la porte, mais en fait, non. Le mec regarde le couloir, tout simplement. Il est aussi con que n'importe quel IA dans ce jeu. C'est vrai qu'on n'a pas rencontré une grande difficulté dans les IA. Même en mode... même si je mettais le mode... mode le plus difficile, je pense que les bots doivent être complètement cons. Donc, ça va. Voilà, faut pas que personne me voit changer de vêtements. Je suis un petit garde tranquillou, sans histoire les amis. Et je me casse d'ici. Ah non, ça c'est les toilettes. Voilà, on va pouvoir se casser tranquillement. Après cette longue mission. Notre bateau il nous attend là-bas. On y est presque, on y est presque, et on va y arriver. Voilà. Ah non, mauvais bateau. Ok, et on prend notre costume, nous. Allez hop, je me casse. Mission accomplie. Professionnel, toujours, je suis toujours une professionnelle, une ombre, un professionnel, tu vois. Et c'était Uzo sur cet épisode. Fort sympa, je trouve.